Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un nouvel adaptateur Android CarPlay Auto pour mettre dans sa voiture. Donc celui-là, il est vraiment tout petit. C'est de la marque Sunwire. Ok, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, alors je vous montre le produit. Il est vraiment petit. Alors, dans les voitures de maintenant, vous avez deux prises. Soit vous avez la toute petite prise que vous mettez directement, soit ils vous mettent un adaptateur pour mettre avec la prise USB de votre voiture. Donc ça marchera avec les CarPlay filaires d'origine. Donc en général, c'est à peu près à partir de fin 2014, début 2015, mais après il faut regarder les constructeurs. Celui-ci, il est compatible pour les CarPlay, donc les iPhones et tout ce qui est système Android. Ok, il fait les deux. Dans la boîte, vous avez aussi une petite notice qui est en français, en anglais et avec d'autres langues, et ça vous dit en fait comment le connecter au Bluetooth, à la Wi-Fi, etc. Ok. Donc voilà, ça il se présente comme ça. Donc vous voyez, il est vraiment petit en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'après vous le laissez tout le temps dans votre voiture connecté. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est le connecter au port USB de votre voiture. Donc on va le mettre comme ceci. Voilà. Alors une fois que vous l'avez branché au port USB de votre voiture, vous allez prendre votre téléphone, vous allez mettre la Wi-Fi. Donc vous mettez sur Sennheiser. Ok. Et si vous voulez faire des appels en Bluetooth, vous mettez le Bluetooth Sunwire, pareil, mais sinon ça va se mettre automatiquement. Vous mettez la Wi-Fi et après Android Auto, vous voyez, est connecté sur le véhicule. Donc ça vient tout seul automatiquement. Voilà, ça vient direct sur l'écran. Une fois que c'est connecté à votre téléphone, ça vient directement sur l'écran. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Alors une fois que vous l'avez connecté avec votre téléphone, avec la Wi-Fi et le Bluetooth, en fait, vous avez l'interface de votre téléphone qui revient. Donc là, c'est sur mon téléphone. Et vous avez toutes les applications de Android Auto. Donc, comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, si vous mettez un iPhone, ça sera CarPlay. Si vous mettez un téléphone sous Android, ça sera Android Auto. Il y a quelques applications qui changent, mais en général, c'est à peu près les mêmes. Donc, vous voyez, on retrouve le GPS Maps. Vous avez Waze aussi, WhatsApp, Messenger. Enfin, c'est toutes les applications YouTube Music, c'est toutes les applications qu'on peut regarder quand on roule, les applications de sécurité. Et après, bah là vous avez les appels en Bluetooth, là vous avez les réglages, les paramètres, donc afficher les notifications messages, etc. C'est tout ce que vous voulez faire quand vous roulez, donc ça vous pouvez changer, etc. Ok, là je reviens en arrière. Et par exemple, si on va sur cet écran-là, là vous avez Waze et vous pouvez écouter les chansons YouTube musique pendant que vous conduisez sur Waze. Là vous avez le microphone quand vous dites OK à Google et après ça vous donne l'adresse que vous voulez. Voilà. Donc bonjour, comment puis-je vous aider? Donc ça c'est quand vous dites OK à Google, mais bon là on va pas le faire. On va attendre que ça part. Voilà, donc là vous avez toutes les applications de Android Auto. Et après, si vous mettez un iPhone, vous aurez les applications de CarPlay. Mais c'est à peu près pareil. Là, Ulysse, vous avez le badge des autoroutes. Mais voilà, ça reprend toutes les applications de Android Auto, donc dites de sécurité. Et ce qui est bien, c'est que dès qu'il y a une mise à jour, il y a une nouvelle application qui sort sur Android Auto et sur CarPlay. Donc voilà, donc c'est bien, c'est que vous voyez, ça reprend, c'est une petite clé USB, ça prend pas de place. Et dès que vous l'avez connecté une fois, dès que vous rentrez dans votre voiture, ça va se connecter automatiquement et vous l'aurez tout le temps dans votre voiture. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo. Mais voilà, aujourd'hui, c'était pour vous montrer un petit adaptateur Android CarPlay de la marque Sunwire. Et c'est franchement utile et celui-là, il prend vraiment pas de place. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!